Dans la vidéo aujourd'hui, je vais faire une comparaison. Comparaison, je vais faire entre Visa Transit États-Unis et Visa Transit Canada. Alors, si vous voulez des détails sur ça, je vais garder la vidéo jusqu'à la fin. Et puis, lorsque vous dis, je vais vous partager. Comme ça, l'autre qui a une chance de jouer une information. Bonsoir tout le monde, c'est Alexandre Dine, Je vous dis bienvenue pour une autre vidéo. Je vous so là, je vais faire une petite comparaison rapide, rapide pour nous entre Visa Transit États-Unis et Visa Transit Canada. On pourrait mettre deux visas face à face. Sans perdre je temps, que le frais visa transit États-Unis c'est 185 dollars américains. Ça veut dire, ou même quand vous regardez la vidéo ça. Si vous appliquez pour un visa transit États-Unis, eh bien, vous avez bien payer un frais qui c'est 185 dollars américains. On aller pour visa transit Canada frais visa transit Canada, c'est zéro. Dans le moment où fait vidéo ça là, visa transit Canada, c'est gratis. Ça veut dire pas de frais pour ça. Si vous même regardez regarder vidéo ça là, vous appliquez pour un visa transit Canada, eh bien vous pas gagner pour payer frais pour ça. Soit je me dis visa transit, pas confondre à visa Tourist. Deuxième bagaille, un visa transit États-Unis permet de transiter États-Unis. Alors, j'en non visa à dire, c'est visa transit, il permet de transiter États-Unis. Ça veut dire, si vous même là, vous avez sorti Haïti ou pour aller Corée du Sud et puis vous passez aux États-Unis, eh bien, vous avez besoin d'un visa transit pour ça. Eh bien, vous pas ap appliqué pour un visa transit, visa transit, ça, là, juste permettre de sortir Haïti pour passer aux États-Unis, ou avez transiter aux États-Unis ou aller Corée du Sud. Ça, c'est un exemple que me vous pas pas par Corée du Sud, pas en l'autre pays. L'essentiel là, c'est que yon visa transit aux États-Unis, permet de transiter aux États-Unis. An ale pou visa transit Kanada. Mem bagay la, yon visa transit Kanada pwemete ou transite Kanada. Wap soti Haiti pou ale Japon, epi se pa Kanada ke wap transite, Eh bien, ou a besoin d'un visa transit. visa transit Canada, ça a juste permet de transiter dans le pays du Canada. Ça te arrivé, c'est Corée du Sud ou et tout, et puis c'est le Canada qui va transiter. Ça te arrivé, c'est Mexique ou Bralé, et puis c'est le Canada qui va transiter. Ça te c'est Philippines ou Bralé, et puis c'est le Canada qui va transiter. Ça te c'est Malaisie ou Bralé, et puis c'est Canada qui va transiter. Donc, moi, bah, ça yon comme exemple. on visa transit Canada, donc on est, permet de transiter dans le pays Canada. Troisième bagaille, yon visa transit États-Unis, il permet ou fait 29 jours dans le pays. Yon visa transit États-Unis, permet au fait maximum 29 jours États-Unis. Samedi là, m'a mettre l'accent sur lui pour m'expliquer nous bien. Légalement, visa transit États-Unis, permet au fait maximum 29 jours États-Unis. Mais, vous pas pouvez jamais faire 29 jours avec visa transit là. Il va faire ça. Ça fait ça, c'est parce que c'est transité que vous transiter. transité. Son visa transit lié. Même si légalement, il y a du café maximum 29 jours ou pas d'EFL, parce que c'est transité ou à transité a pas de moyen pour expliquer à quelqu'un que je pour faire 29 jours. pas de moyen pour expliquer ça. Pour moi même, ça n'a pas de sens. Je vais aller Corée du Sud et je vais transiter aux États-Unis avec yon visa transit et je vais faire 29 jours aux États-Unis. Ça n'a pas de sens. Si vous vais vous devez juste faire tant que vous faire pour prendre un vol pour aller dans un pays où je Par exemple, je vais sortir d'Haïti pour aller courir du Sud et je vais passer par les États-Unis, je vais transiter aux États-Unis, je vais prendre un vol et je vais sortir pour aller aux États-Unis et je vais connaître combien de temps je vais faire si on a 8 heures de temps aux États-Unis ou bien 12 heures de temps aux États-Unis, il a on jour tout, et puis je prends un vol sorti aux Etats-Unis pour aller la Corée du Sud. Je vais sortir à Haïti, je vais unis je vais transiter aux États-Unis et puis pour aller à États-Unis vais fait 8 jours. Non. Pour moi-même, ça n'a pas de sens. Je vais sortir Haïti pour transiter aux États-Unis pour aller Corée du Sud et puis aller aux États-Unis me fait 15 jours. Non, ça n'a pas de sens. Changez. Si son visa transit ou gagne, vous devez rapidement sortir Haïti, passer aux États-Unis, arriver aux États-Unis, ou prendre vol pour aller côté ou Donc, avant de finir avec partie ça, je vais répéter encore. Légalement, avec un visa transit aux États-Unis, vous fait maximum 29 jours aux États-Unis. Mais je vous conseille pour ne pas jamais faire ça. Parce que. Transiter ou transiter, ou transiter transite, vous fait un pile jour dans le pays mondial. Non, ça n'a pas de sens. Ok, en aller pour Visa Transit Canada. Combien de temps vous fait avec Visa Transit là dans le pays Canada? Avec visa transit Canada, vous avez fait maximum 48 heures de temps. Alors, l'a maximum, ça veut dire que vous fait moins de temps. Vous avez fait moins que 48 heures de temps ou bien vous fait maximum 48 heures de temps. Bon, c'est nous moins, même si je ne sais même si je ne pas expliquer. Ça veut dire, je suis sorti Haïti, je suis allé à la Corée du Sud, et puis je suis transité dans le pays Canada. Je suis pris un vol, je suis Canada et puis je suis allé au Canada, et puis je suis allé à la Corée du Sud. Aussi facile que ça. Conseil pour vous, c'est faire le temps qui est nécessaire pour transiter. Tant ça a le même, il fait sens pour moi. Ça arrive à transiter, et vous faites 12 heures de temps, vous faites 24 heures de temps. Ça, pour moi, il fait sens. Alors, maximum 48 heures de temps, il fait sens. Conseil pour vous, vous devez faire le temps qui est nécessaire pour transiter. Pas arrêter parce que vous transitez le Canada et vous vous faites tout le temps ou non. Vous ne devez faire ça. Si par exemple, vous sortez à Haïti, vous avez Canada pour aller à Corée du Sud, de Canada, tan, ya, et vous ne pas arrêter Canada, vous faites le temps que vous avez pour capable votre vol pour aller à Corée du Sud. OK, l'autre comparaison encore, Yon visa transit États-Unis, normalement, il y a pour 5 ans. Et Yon visa transit Canada, normalement, c'est pour 6 mois. Yon visa transit aux États-Unis, normalement, il y a une à entrée multiple. Ça veut dire ou a transité avec les États-Unis plusieurs fois. Yon visa transit Canada, normalement, il y a une pour une entrée ou bien pour deux entrées. Ça dépend de plan voyage. Ah, dernière petite comparaison, c'est que visa transit États-Unis a une photo sous lui et visa transit Canada pas gain photo sous lui. Juske la, mwen bansen bay an fil ti detay an de visa sa yo. Visa transit Etas-Unis e et visa transit Kanada. Mwen menm ki gade videyo a, si gen bagay mwen pa di, mwen mwadou pou kite yon komantè epi pou di sa mba di yo. Pabliye de m pataje videyo a, pabliye abone se si wou pokou fe sa. Nou kon nou an dejan, se Aleksandro Dine, mwen mwadou radevou demè si je vè pou yon lot videyo.